Bonjour, juste expliquer le double drag. Donc, et en ternaire, hein, dans le contexte du lifetime warm-up, et il est basé sur ce rythme-là. Donc, tit-tita, tit-tita, ta-ki-tita, ta-ki-tita. Les deux premiers coups ne sont pas accentués, le dernier est accentué. Tit-tita. Ça c'est le squelette et on va rajouter les drags en question, donc qui vont amener les coups faibles, alors comme toujours la difficulté c'est de rester en bas sur les rats 3, hein. Oui, les drags c'est les rats 3 en français, et de bien terminer avec un accent derrière, donc il ne faut pas y sortir de la peau. D'accord. Alors je rejoue et puis je vais passer la main sur l'autre patte pour que vous entendiez ce qui se passe dans chacune des mains. Alors, vous voyez, donc pareil, ça ne fait pas partie des rudiments faciles. Hein, gardez ce grain, c'est pas un press roll, hein. On garde, on mord la peau sur les deux petits coups. Et on tire le coup, hein, on va chercher l'accent à la fin. Voilà comment il est fait ce double drag. Comme toujours, on y va tranquille, on cherche le détail et on ouvre grand ses oreilles pour voir comment ça sonne. À bientôt !